Hey, on se retrouve pour un nouvel épisode. On est à la mission Hospitalité Incurable. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'est assassiner un mec qui va faire une opération. C'est une mission assez compliquée. Peut-être moins que celle qu'on a fait dans le désert, mais c'est une mission assez compliquée. Allez, c'est parti. Briefing, les amis. 47, ici Diana. Votre mission consiste à retrouver et éliminer le chef du culte Diwanaji. Il se trouve actuellement à l'hôpital pour chirurgie cardiaque. Il lui faut un nouveau cœur et un pacemaker. Le bâtiment comprend bien sûr l'hôpital, mais aussi un temple de Shiva, réservé aux services religieux des membres haut placés. L'hôpital s'étend sur plusieurs étages avec des chambres pour malades et des salles d'opération. Dans le bureau du docteur Chakran, vous trouverez un paquet contenant votre équipement pour cette mission. 47, je répète. Récupérez le paquet, retrouvez le chef du culte et éliminez-le. Ok, donc vous l'avez compris. Voilà, on a un peu la map, tout ça, ça vous connaît. On a les infirmières, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti les amis. On se lance. 3, 2, 1. Ok. Allons donc. On va devoir récupérer les vêtements d'un garde. Ça, il me semble que ce soit pas insurmontable. Ah, ils ont un peu la situation. Ok, on va passer par là. Ouh, là on a qu'une carte d'un piano, on n'a rien du tout. Les gardes n'ont pas la tendance de bouger. Voilà. Ok, ça commence. 3. C'est parti. On va lancer cette petite mission un peu la difficile. Donc il y a trois gardes ici. Il faut pas rentrer dedans, il faut voler bien sûr un costume, vous en doutez pas. Ok. Non, tu m'as pas vu? Non, tu m'as pas vu. Ok. Donc c'est bon, j'ai traversé déjà la moitié du terrain. C'est déjà cool. On va passer par ici. Si t'analyses bien la map, normalement, on y arrive assez facilement et sans danger. Ok. Je sais pas si par contre le garde monte ou pas. Je suis jamais. J'ai pas trop analysé encore leur mouvement. Ok. J'ai un costume. C'est cool. Ok. Déjà une chose de faite, ça c'est cool. Et moi je vous propose une petite sauvegarde. Là on va rentrer dans le temple. Ok, on a le costume. Sans tuer personne, vous rendez-vous compte. Ça c'est cool. Merde. Voilà. C'est là. Ok, c'est nickel, ici on a de quoi on a quoi de faire. On a un deagle, ça c'est cool. Après le reste, je n'ai pas forcément besoin encore. Normalement ils sont pas armés. Donc on va éviter de se faire tuer pour des broutilles. Donc là on va devoir rentrer dans l'hôpital. Donc là ça va être un peu plus soft. Il va se dire pourquoi il y a un costard par terre mec? Ah bah écoute, il y a peut-être des naturistes sur la plage. Je sais pas moi. En tout cas il passe facilement dans la masse 47. Ça il faut l'avouer.
trop d'ennemis. Ok. Ok. Alors, on est chez les docteurs. Dans la caisse à pharmacie ou je sais pas quoi. Ça va être aussi une petite sauvegarde. Hein. Ah bah oui. Zip Master, want you. Yeah, I want you too. Il y a des gardes aussi dans le truc. Donc normalement, je peux passer. Nickel. Il n'y a rien à récupérer ici. Donc il faut que je monte là-haut. Là, je vais pouvoir monter là-haut dès le début, là. Allez, 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 hop. Bonjour, mademoiselle, qui tape dans le vent. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Bonjour, madame l'infirmière. Excusez-moi, je sors. Alors. Ok. Moi, je passe tranquillement dans la masse. Faut savoir que j'ai aucune arme. Aucune arme non silencieuse, tu vois. J'ai qu'un deagle. Et vu le bruit qu'a fait. Je sais pas pourquoi il me suit lui. Ouais, suis-moi si tu veux, ouais. Ok. Je crois que je me suis retapé un mec qui bug. Ah voilà, c'est cassé. Alors, nous, on doit récupérer des objets là. On doit aller dans l'office du chakram. Je sais pas ce que c'est, mais on doit y aller. Donc, ici c'est pas là. Effectivement. Allez, on va voir s'il n'y a pas des petits costumes ici. Non. Enfin, faut que je passe. Vous savez, quand je suis arrivé à droite directement. Donc lui, il va venir directement vers moi. Je vois pas pourquoi. Ok. Voilà. Est-ce qu'il va me lâcher? Il va pas me lâcher ce mec. Zouzou. Que me veux-tu? Allez, viens là. Voilà. Hop, ni vu ni connu. Voilà. Vous avez vu les amis? Ça s'appelle ça s'appelle tuer un mec tout en discrétion. Ok, on monte là-haut. Toute discrétion en le faisant bugger surtout. Technique de bâtard, mais bon.
Donc je suis en haut là. Ah, ça va être chaud. Faut que je me fasse tomber, je crois. Un truc comme ça, je me rappelle plus. Ah oui. Faut que je monte là et que je tombe. Bien sûr, sans me faire repérer. Ok. C'est une technique un peu conne. Je sens que je vais me faire tuer, je vais me tuer tout seul. Mais ça peut marcher. Ça peut marcher, ça peut marcher. Ok, sauvegarder. Hospitalité incurable. Ouais, ça c'est bon. Vas-y, on descend. J'ai perdu légèrement de la vie. Mais c'est parfait. Clé pièce. Vision nocturne, ouais, si tu veux. Ça peut être utile, enfin. Ou pas. Ok. Parfait. Parfait, parfait. Il me faut, je crois, un scalpel ou une chose, une merde comme ça là. Il me faut. Il y a du sédatif, tiens, ouais. Ok, donc là faut que j'aille en bloc opératoire, il me semble. Ouais, y'a que ce moyen de toute façon pour passer. Ok, porte ouverte, c'est parti. Bonjour mademoiselle. Tranquille mademoiselle. Faut que j'aille au bloc opératoire du coup. Donc faut que j'aille au bloc opératoire. Pour prendre l'ascenseur, il me semble. Là j'ai tout pris normalement. Tout pris. Alors, là il me reste plus beaucoup de vie. Donc faut pas que je fasse le Yamakasi. Hein. On va éviter de refaire la même erreur. Même si c'était vraiment une bonne solution. Ça. Je regrette pas. Allez hop, on va se faire le mec là et on va s'enfuir tranquillement. Putain, par contre j'ai pris vraiment cher au niveau des pieds. Faut savoir que quand même 47 pour sauter d'une hauteur comme ça, c'est Ah, le mec il est putain d'agile quoi. Mais après je trouve que c'est mieux, mieux fait dans les autres Hitman, c'est quand qui prévoit que tu puisses sauter en fait. Donc ça je trouve ça super sympa. C'est que t'as une touche, bah comme pareil t'as E. Ou même quand tu vas sauter, ton personnage il essaie de se rattraper. Du coup il se blesse pas forcément pour des petites hauteurs. Bon là faut avouer que c'était quand même une putain d'hauteur. Bah, faut avouer que les ombres à l'époque on n'avait pas la même vision hein. Putain la tête que j'ai là en ombre. Waouh. On dirait un géant le truc. Le 2 qui change pas, tu sais. En mode. Alors. Surgery Room. Et bah, faut aller là déjà. Je pense qu'il y a des trucs à récupérer. On va récupérer tout ce qu'il y a à récupérer. Donc là, on avance pas mal quand même. Petite sauvegarde s'impose. Ah, ok, le chef de culte est prêt pour l'opération. Mais pas moi, tu vois. Mais pas moi. Moi, dans tous les cas. Putain, c'est vraiment un piteux hôpital, hein. Vous avez vu ce qu'il y a au sol? Oh là là, laisse tomber. Ah, le garde vient me voir.
Moi je dirais il est là. Non mais pourquoi elle me fait ça elle? Mais non mais pourquoi tu fais oh ciao? Je t'ai rien fait mademoiselle. T'es pas obligé de m'agresser. C'est vrai que j'ai essayé de prendre le scalpel alors que c'était pas ce que j'étais censé faire. Allez vas-y ouvre moi ça. Est-ce qu'il y a un scalpel ici? Yes, I have the scalpel. Ok, donc moi je dirais qu'il est donc ici. On va aller voir tout de suite. Après, faudra remonter tout en haut, je pense. Ou je sais pas comment on va faire. En tous les cas, on va trouver bien le chef déjà. Et on va se le faire. Pas trop s'approcher des gardes. On va pas trop s'en approcher, ouais, ça c'est clair. Merde, c'est pas celui-là. Ça. Bonjour, Saïd Docteur. C'est lui. Ok, on s'est trompé, hein. Alors on va le refaire. Le chef de culte est prêt pour l'opération. Je pense qu'il doit avoir une alarme incendie à activer un truc comme ça, je pense. C'est pas possible de se faire niquer bêtement. On récupère le scalpel, voilà. Ici, voilà. Vas-y, ma bouffe. Vas-y, pète-moi ça. Putain. Des fois c'est rapide, des fois c'est pas rapide, ma gueule. Hein. On récupère le petit scalpel. On le range. On le range, j'ai dit. Ok, on pète ça vite. Ok. Je me disais bien. Ok, je vois sans visée nocturne. Ok. Donc normalement ça devait être l'autre. Ça va être celle là tout à droite. Tout en haut à droite. Je sais pas ce qu'ils font. Ils prient peut-être, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils font. En tout cas moi j'allais le tuer, il est là. Allez, tuer le dirigeant du culte. Oula. Ok, nickel. Ils savent pas encore que c'est moi. On va pouvoir se casser tranquille. On va se casser tranquille, les amis. On va se casser tranquille. Ils savent pas encore que c'est moi. Moi je vais prendre une porte là. Ok les gars, c'est bon. On se fait tranquille là, on se fait tranquille, on se casse.
Voilà, déjà dehors, je pense. Il me semble pas que ce soit par là. Qu'est-ce que je suis pas, je sais pas où je suis parti moi, mais. Ouais, non, je suis parti. Je suis parti à Perpète les Oies, je sais pas pourquoi. Ok, bon, on va pas se casser par là au final. Si, faudrait bien que je me casse par là, moi. Ouais, faut que je prenne l'ascenseur en tout cas. Allez, rallumez le disjoncteur, les gars, si vous voyez que ça marche pas. Non, ils sont préoccupés par autre chose, du coup, ils me remarquent pas. Ah ouais, bah, mais l'ascenseur il marche plus, quoi. Merde. Et c'est con. Et bah oui, ils sont pas trop bêtes. C'est ce qu'ils ont pensé. Même à l'ascenseur avec le générateur. Bon, bah, c'est assez. De toute façon, la mission, pour moi, voilà, c'est juste s'infiltrer qui est assez difficile. Mais après, dès que tu connais un peu les zones et tout ça, tu fais ça tranquille, quoi. Waouh. Waouh. J'ai eu du mal, hein. Ouais. Alors là, franchement, j'ai géré. Maintenant, faut que je sorte maintenant, quoi. Faut que je sorte tranquillement sans me faire baiser. Ok, faut que je passe par la porte du milieu. Je remonte en haut, je crois, il me semble. Je reprends mon costume et je me casse. Ça va, madame? Non, mais c'est juste un générateur qui a coupé, là. Moi, je vais aller dehors, je vais aller fumer ma petite clope. C'est vrai qu'il va fumer sa clope tranquille. Et il va sauvegarder aussi, bah, le monsieur qui va fumer sa clope, tu vois. Ok. Allez, hop, je commence à courir un peu. Là, normalement, je m'arrête. On va essayer. Je sais pas où il est parti, mais il a essayé de me buter en tout cas. Il a pas réussi. Moi, je me casse. Voilà, mission accomplie. Assassin invisible, vous en rendez compte, j'ai évité de coup mon assassin, je sais pas où il a fait une roulade, il est tombé je sais pas où. Je vois pas où il a pu tomber. Mais en tout cas, il s'est vraiment, vraiment merdé quoi. C'est pas un assassin, c'est pas du tout mon clone aussi. BBK News, en direct de l'Hospital Island, dans le Punjab, en Inde. La sérénité et la paix ont toujours veillé sur les pauvres de cette région. Mais une récente enquête sur plusieurs assassinats sauvages au sein d'un culte local a entraîné la découverte de plusieurs missiles nucléaires. L'hélicoptère dans lequel il se trouvait est directement lié à un baron du crime, Sergueï Zavorodko. Mais comment ils ont bien pu savoir que c'est moi qui vole ces ogives? Si quelqu'un a vendu la mèche, je lui arrache la tête. Tous ceux qui étaient au courant ont été tués. Ces trois types à Saint-Pétersbourg, ils sont morts. Le Zipmaster meurt. Personne ne sait, j'en suis sûr. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. Mais si le type que t'as utilisé était au courant, lui? Eh, mais t'as raison. C'est un risque qu'on ne peut pas prendre. Je vais m'occuper de son cas. Comment on le tue, t'as une idée? C'est presque un fantôme, ce type. T'inquiète, je sais exactement de qui on a besoin et comment on va s'y prendre.
Parfait. Si tu penses au même type que moi, tu es vraiment un génie. Allez, fonce, tu as carte blanche. Allez, vois, à l'époque, ils étaient mal... Enfin, c'était mal fait sur les cinématiques. Et là, tu t'en rends compte encore plus, quoi. Bref, rendez-vous au prochain épisode qui sera sûrement pas le dernier. Mais on y est presque, les amis.